There's a few. I think probably the You Can't Kill Me scene. Don't get me to the name. That scene was tough. Yeah, when I'm sitting and I'm yelling and all that. Yeah, with all the blood in the face. Yeah, that was a tough one. But because we shot that for 2 days. And it was in the pouring rain, and it was in October in Ireland, so it was just as cold as now. And you were yelling for 12 hours straight. So my throat was a little sore by the end of that day. But also, I remember the scene where I said goodbye to Ragnar. I said, when he was like, he took his arm ring off and gave it to me, and he was like, just remember that everyone will know if you're out of the bonus. And I remember that scene because I was like, oh, I'm actually saying goodbye to my dad. And I started crying, and I was like, oh, this is fucking tough. So, but it was also an amazing day and an amazing scene, but it was tough mentally because you were like, oh, I really want to get the emotional stuff down. I want to do this scene well, and I want to do it the right way, and I want to give it every day. And I think we did, but it was a tough one. It was just a tough one to crack. Yeah, so one of those two scenes, I think. Les deux scènes qui lui viennent en tête pour, sur les plus difficiles, il y a la première, quand ils sont dans Wessex et quand ils sont au Wyork, je sais plus, mais quand il est assis contre la charrue, et il y a tous les mecs qui arrivent pour le tuer, et qui avec ses trucs, il dit tu peux pas le tuer, moi t'as le tuer, machin. Et il dit on était au mois d'octobre, on a tourné là-bas pendant 2 jours d'affilée avec une pluie diluvienne, il faisait hyper froid, et j'ai passé 12 heures littéralement à hurler. Et il dit j'avais la gorge qui commençait à me lâcher, en plus couvert de sang, enfin, vraiment ça a été très difficile. Et la deuxième, c'est quand ils sont avec Ragnar chez Egbert et qu'ils doivent se dire au revoir. Et il dit c'était difficile parce que j'avais vraiment aussi ce sentiment de oh, je suis en train de dire au revoir à mon père, et j'étais hyper ému, et j'étais pris par l'émotion, et en même temps en train de dire non, il faut que je fasse la scène bien, il faut que je la fasse à fond. Je parle de la scène quand il lui donne le bracelet. Et en fait, cette différence entre l'émotion que lui ressentait de dire au revoir à son père, et en même temps, non, il faut que je sois focus sur mon truc, de rendre le meilleur, c'était difficile. Donc, une de ces deux scènes. Merci beaucoup. I had a few kids on the show. I lost all of them apart from one. Great mother. I think probably those scenes were the hardest. You know, the scenes where her daughter goes overboard and her son dies under the care of Lagatha. S'il vous plaît. Merci. I was very young when I filmed the show. I was probably 23 or 24 when I did those scenes, and I've never been a parent, and I've never had to lose a child. And that is extremely serious subject matter, and something that I don't take lightly. So for me on the show, I just wanted it to be as authentic and honest as possible, that performance. And so as a young person, that is hard to do. And so probably that was the hardest in terms of just finding that fine line between, wanting to be honest, but also making it a drama, making it entertaining. So that was probably the hardest kind of subject matter to deal with on the show. Le plus difficile à tourner pour elle, c'est la mort des enfants. Elle dit parce que, bah, comme vous le savez, en tant que mère, j'ai quand même eu tous mes enfants. Ils sont tous morts, sauf un. Elle dit bah, super boulot déjà, la mère. Elle dit j'avais 23-24 ans quand j'ai tourné ça, j'ai jamais été parent. Elle dit et c'est très compliqué d'essayer d'y mettre le sérieux, l'intensité, quand tu sais pas ce que c'est, et en fait de trouver
la limite, la très fine ligne entre ce qui est de jouer et de rester dans la véracité du sentiment quand c'est quelque chose que tu connais pas, tout en gardant le fait que ça reste une série. Dit par exemple, cette dont elle parlait, c'est quand il y a la petite qui passe par-dessus bord quand ils sont dans le bateau, ou quand il y a son fils qui meurt au combat devant la Gata. Et dit à chaque fois, c'est trouver la juste émotion, en gros sans tomber dans le pathos, ça c'est mon mot, mais dans le sens où il faut garder le côté où c'est une série, donc il faut garder les gens captivés. Et en même temps, c'est un sujet qui est tellement délicat et sérieux, c'est très compliqué. Donc c'était vraiment ça le plus difficile à faire. So well, the whole Vitzer Galagatha thing in the rain was the absolute toughest, because in Ireland it's so cold when it's rainy, and they got rain machines, and I'm not wearing any good clothes. I'm only having these like biking leather things on, so it's very cold. So I remember I was shaking a lot, and I remember the onset medic came onto set and had to do like my body temperature, because I lost the ability to like speak properly because it was so cold. And he took my temperature, and it was way below what was allowed to work under. So he said we needed to cut the whole thing off and come back another day. But I told him I didn't want to do that, because then I had to go through the whole thing again. So I was just like, no, let's. So we did the scene, and I ended up freezing my ass off. And when I got home, I got like a frostbite thing in my ear that I had to go to the doctor and get drained, like some liquid from it. Yeah, that was pretty rough. Well, sa scène la plus difficile à tourner, ça a été celle où il tue la Gata. Il dit, parce qu'en fait en Irlande, quand il pleut, il fait extrêmement froid. Il dit, alors on avait des machines qui faisaient pleuvoir, etc., mais on est de nuit, et la scène, ça se fait pas en un coup. Et il dit, on tournait, et il dit, j'étais gelé, parce qu'il n'avait pas de combinaison, rien pour le réchauffer, il avait vraiment que les trucs en cuir de viking. Et en fait, il y a le médecin du plateau qui est venu, qui a pris sa température, et en fait, ils se sont rendu compte qu'il était en dessous de la température, son corps était sur la température en deux. La température de son corps était en dessous de celle autorisée pour pouvoir continuer à travailler. Et le médecin a dit, il faut qu'on l'arrête. Et c'est Marco qui disait, non, il n'arrivait plus à parler, il n'arrivait plus à articuler. Et il disait, non, parce que si on la refait, c'est toute la scène qu'il faut refaire, donc on finit. Donc il a fini ça, et en fait quand il est rentré chez lui, il avait des c'est au-delà des enjures. Quand on est en train de mourir de froid, là, ça... Hein ? Non, c'est au-delà du hypothermie. En fait, c'est enjures, mais en mode, ça nécrose, quoi. Et en fait, il avait ce qu'on appelle les morsures de froid sur les oreilles, et il a été obligé d'aller chez le médecin, d'avoir des piqûres pour réhydrater les tissus.